Officialisé au cours de l'E3 2017, Life is Strange Before the Storm est un préquel à l'histoire originale sortie en 2015. Dans la foulée de l'annonce d'un Life is Strange 2 actuellement en développement, on ne pouvait qu'être dubitatif face à ce volet un peu annexe. L'épisode 1, qui s'intitule Éveille-toi, est maintenant en ligne, donc on va vous partager rapidement nos impressions. Bien sûr, avant de poursuivre, sachez que l'on fera de grandes références au premier Life is Strange. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il vaut sans doute mieux arrêter la vidéo dès maintenant. Mais cependant, sachez que l'on ne va pas dévoiler d'éléments scénaristiques importants sur ce premier épisode, donc vous pouvez apprécier le visionnage de la vidéo sans peur d'être spoilé. Alors je vais pas vous le cacher, lors de l'annonce de ce préquel, j'étais un peu hésitant, je ne savais pas trop s'il fallait s'en réjouir ou avoir peur que la série perde tout simplement de sa superbe. Après tout, le premier opus n'était pas sans défaut, mais il avait quand même créé la surprise. Alors le fait que Life is Strange Before the Storm se focalise sur un autre personnage dépourvu de pouvoir, développé en plus par une autre équipe de développement, l'annonce ne pouvait que nous laisser dubitatifs il y a quelques mois. Pourtant, à peine l'écran titre passé, la magie de l'univers est de retour et l'on prend directement du plaisir à retrouver le style de la série. Chapeauté par Deck 9 Games et non plus Dotnone Entertainment, Life is Strange Before the Storm se passe 3 ans avant les événements du premier jeu. On se retrouve toujours à Arcadia Bay, mais exit l'histoire de Max, bienvenue à celle de Chloé. Nouveau personnage, nouvelle personnalité, on retrouve une Chloé perturbée suite au décès de son père qui essaye de se construire malgré tout. La petite geek toute timide que l'on connaissait laisse ainsi place à une adolescente bien plus insolente au caractère bien trempé. Finalement, c'est même tout aussi plaisant puisque se retrouver un peu dans la peau d'un personnage contraire permet de comprendre également le point de vue de Chloé. D'ailleurs, et sans trop m'avancer sur ce point-là, tout au long de l'épisode on aura droit à quelques clins d'œil par rapport à Max, que ce soit à l'aide de quelques caméos bien placés, mais également à travers certaines notes laissées par Chloé. Mais ce changement de personnage n'entache pas spécialement le scénario du jeu, puisqu'on se retrouve avec un caractère bien plus fort qui rythme pas mal les différentes scénettes et autres phases de dialogue. Qu'on se le dise, Chloé a un sacré tempérament et la construction des échanges avec autrui est bien différente. Néanmoins, on va pas se le cacher, cela reste aisément anticipable du fait qu'on la connaît et coller à sa personnalité n'est pas vraiment compliqué. Et puis franchement, elle est d'autant plus irritable que touchante. Parce que la Chloé que l'on connaissait était rebelle, mais elle savait s'affirmer en tenant tête et en mettant en avant ses convictions, contrairement à maintenant, où elle fait face à des étapes difficiles, où on va rester partagé entre un sentiment de pitié et de compréhension pour le personnage, mais aussi d'agacement au vu de son égoïsme certain. D'ailleurs, ce premier épisode semble se focaliser davantage sur l'aspect narratif au détriment des phases d'exploration et autres énigmes. Si nous avons droit à quelques passages où l'on peut vadrouiller librement, notamment pour trouver comment faire avancer l'intrigue, ces moments sont assez rares. Mais en fin de compte, c'est un ressenti assez léger qui permet à l'équipe de Deck 9 Games de nous centrer principalement sur le déroulement du scénario et force est de constater que l'histoire est très bien écrite. On découvrira alors les prémices de la relation entre Chloé et Rachel et nos deux jeunes femmes se rapprocheront pour laisser place à une amitié forte et grandissante. Cette relation est indéniablement l'un des gros points forts du jeu. On ressent vraiment les émotions qu'elle dégage et l'on se sent presque obligé de prendre part à leur complicité, un sentiment d'autant plus partagé que nos deux protagonismes sont particulièrement attachantes. Mais vous allez me dire, Max disposait de pouvoir dans Life is Strange premier du nom, Chloé ici en est dépourvue. La série jouait beaucoup sur le concept de l'éphémère avec la possibilité de remonter le temps, laissant sur la durée beaucoup de questions en suspens et créant surtout un effet papillon dévastateur. Before the Storm ne dispose pas de mécaniques similaires. À la place, les développeurs ont essayé d'instaurer deux nouvelles mécaniques, dont un système de rêve où Chloé va devoir interagir. Bon, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse le suspense, mais il faut avouer que cette sorte de réalité alternative permet d'apprendre certains aspects que l'on ne peut bien évidemment pas détailler ici. Le concept ne prend pas forcément et on se demande même si cela vaut vraiment le coup. Pour le moment, on n'accroche pas trop à cette mécanique qui n'a finalement rien de transcendant de ce premier volet. La seconde grande nouveauté de gameplay réside dans un nouveau système de dialogue. Au vu de son tempérament salé et de sa vivacité d'esprit, Chloé peut entamer un échange électrique avec son interlocuteur, entamant une conversation rythmée, se rapprochant parfois à la limite de la punchline. On se retrouve alors avec une succession de chouettes dialogues à prendre avec une jauge en plein milieu de l'écran. Il faudra alors répondre rapidement selon les différents choix proposés et répondre le mieux possible pour remporter les différentes étapes de la conversation. Parfois, on pourra laisser un peu place à l'erreur, nous permettant de rebondir sur la phrase d'après. Parfois, il sera trop tard pour rebrousser chemin. Notre héroïne doit alors bien écouter ce que dit la personne en face pour retourner ses fameux propos contre elle. Ce nouveau système de dialogue est indéniablement une excellente idée. Avec cette mécanique, Before the Storm introduit une notion de risque et gratifie le joueur qui répondra juste et dans les temps. Bien que pour le moment les incidences sont plutôt minimes, il faut quand même avouer qu'il est vraiment grisant de réussir cet enchaînement d'échanges. Cet aspect nécessite néanmoins d'être un peu plus approfondi, laissant parfois le joueur dans l'incertitude avec un sentiment d'aléatoire au niveau des réponses.
Gardant l'atmosphère très prisée de la première saison de Life is Strange, Before the Storm reprend le même cachet visuel au grand bonheur des fans de l'univers. Légèrement bonifié par les deux années d'avancées technologiques entre-temps, l'équipe propose toujours ses magnifiques plans entre certaines séquences, mettant en avant des paysages travaillés et aux couleurs chatoyantes. Chaque endroit devient alors iconique et marquera les esprits. A contrario, Deck Knight Games n'a pas réussi à proposer un titre parfaitement lisse avec un aspect technique perfectible. Si sur la version PlayStation 4 testée, les phases d'action et les cinématiques étaient plutôt fluides, là où le bas blesse, c'est au niveau de certains visages. Si les protagonistes principaux sont assez bien travaillés, comme Chloé, Rachel, ses proches, etc., etc., certains personnages sont à la limite de l'acceptable. Mieux que le premier épisode, certes, mais les animations faciales n'en restent pas moins assez légères. C'est la même chose au niveau des arrière-plans, et bien qu'il faut quand même être tatillon pour le reconnaître, les textures se veulent assez inégales. Enfin, sans surprise, découvrir la bande-son du titre est juste un régal. Sous la tutelle du trio londonien d'auteurs, on retrouve des thèmes forts et des ambiances sonores réussies. Tout comme c'était le cas avec le premier volet Life is Strange, beaucoup d'entre vous iront dénicher les musiques pour les écouter, une fois l'expérience terminée manette en main. Mais l'on notera tout de même un changement notable, la voix de Chloé. Anciennement doublée par Ashley Burch, celle-ci a cédé sa place à une autre doubleuse, Rihanna DeVries. Passé le choc des premières minutes, le résultat est néanmoins plutôt convaincant, et finalement, la différence est assez minime. Seules les oreilles averties le remarqueront, il faut avouer que les doublages sont une franche réussite. Alors petite conclusion sur ce premier épisode de Life is Strange. Préquel de la première saison, Life is Strange Before the Storm semble être dans la continuité de la licence. Passé les premières minutes où il faut s'habituer à la nouvelle doubleuse, on se laisse rapidement porter par l'univers enchanteur de la série, que l'on découvre avec une Chloé impétueuse, troublée et bien différente de la Max calme que l'on connaissait auparavant. Parsemée de bonnes idées, certaines ont besoin d'être approfondies, à l'instar du système de dialogue un peu fouillis. Mais incontestablement, c'est la relation entre Chloé et Rachel qui vient nous bercer tout au long de cet épisode d'ouverture. Ce premier épisode de Life is Strange Before the Storm pose de solides bases pour une suite qui se fait déjà dûment attendre et qui, on l'espère, saura convaincre avec de véritables répercussions.